Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine du 19 au 25 février 2024. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme, que vous avez regardé euh, la vidéo que je vous ai faite spécialement guidance pour les trois prochains mois à venir, et que ça vous a parlé, hein, tirage à choix multiple. Bien sûr, ça reste du général, hein, vous le savez, ce n'est pas une guidance personnalisée. Prenez ce qui fait tilt, ce qui parle tout de suite, laissez le reste de côté. Il y aura d'autres messages pour vous si ce n'est pas le cas dans la, dans la vidéo, n'en doutez pas. Ne forcez pas l'interprétation et gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix. Ok Si vous avez envie de besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, de, de suivre ma formation tarot et intuition qui est toujours à prix spécial vous pouvez aller sur mon site www.caroleguidanceetoilettes.com ou vous m'envoyez et ou vous m'envoyez un petit mail guidanceetoilettes@gmail.com et je me ferai une joie de vous aider et de vous accompagner alors j'ai pris dans un premier temps l'oracle G et en, ensuite on prendra comme d'habitude d'autres oracles pour voir les autres messages qui se dégagent pour cette semaine. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, que vous avez bien profité de votre week-end et que la semaine s'annonce bien. Alors, donc là, oui, c'est bon, vous voyez. Donc, pour info, les horoscopes du mois euh, de mars. Arriveront, commenceront à arriver petit à petit. Hein, je vais commencer à filmer et à publier petit à petit. Euh, donc là, cette semaine, la semaine prochaine, ça va commencer. Et ça va continuer, bien sûr. <laughs> Alors, il y a peut-être certaines femmes, certaines d'entre vous, ou quelqu'un qui a une énergie très in, hein, ou une femme proche de vous, ça peut être votre autre, ça peut être une proche, qui cogite beaucoup, qui s'en fait beaucoup, beaucoup de questionnements. Le mental est très présent. Hein, la pensée, c'est vraiment le cas de le dire, c'est la pensée. Hein. 14, 5, c'est trop de pensées, de cogitations, mais c'est vraiment des, des soucis par rapport à peut-être des ennuis ou des, des, de, ou des limitations, des croyances négatives, ou peut-être par des choses, pour des choses en ce moment qui sont un peu délicates. Peut-être parce que vous manquez de soutien, ou peut-être parce qu'on vous a fait une crasse. Il y en a qui peuvent être tristes parce qu'ils ou elles ont été déçus par quelqu'un d'autre. Et oui. Tout le monde n'est pas euh, beau et gentil, donc là peut-être vous avez été blessé déçu et ça vous cause de la peine bien entendu peut-être par rapport à votre autre ou quelqu'un vraiment qui est dans votre cœur hein, qui est proche de vous peut-être une déception sentimentale amoureuse ou vraiment qui touche votre cœur ça peut être pour certains certaines euh, une rupture. Hein qui vous cause vraiment de la tristesse. Alors j'ai l'impression que pour certains, certaines, c'est plutôt une bonne chose, même si c'est pénant. Il peut y avoir euh, une notion de cadeau déguisé, hein, un mal pour un bien. Ça ne fait pas plaisir, ça fait de la peine, mais au final, c'est la meilleure chose pour vous. En dodo on a euh, l'oiseau, donc 27. Il y a des messages, des communications avec un homme, par rapport à un homme, entre vous et un homme. Ouais, donc ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. Ouais, j'ai l'impression que vous avez... Euh... C'est une période un peu délicate et j'ai l'impression que vous avez été déçu. Hein. Ouais, vous êtes dans le doute. Alors il y en a peut-être qui ne sont pas encore en mode rupture, fin de relation, mais qui se posent vraiment des questions quant à euh... est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que c'est la bonne personne pour moi, est-ce que c'est bon pour moi. Est-ce que je suis assez heureuse Est-ce que... Et tout y hein Ouais. Parce qu'il y a peut-être un déséquilibre dans cette relation, un manque d'harmonie, un manque d'équité. Un... Alors, pour moi, il y a quand même pour certaines personnes, je vous ai dit, une notion de mal pour un bien, un cadeau déguisé. Peut-être certains, d'entre vous, vous êtes en procédure de, de divorce, hein, de, de, de séparation, et vous obtenez gain de cause, financièrement parlant. Pension alimentaire, euh, votre part de la maison, etc., etc. Il y a une notion d'argent, là, dans le, dans le lot. Donc, ça peut être ça. Hein. Ouais. Il y en a qui sont peut-être euh, en ville, en procédure, au tribunal, euh, dans des bureaux, chez des avocats, chez des notaires, pour finaliser euh, des papiers, une fin, une procédure juridique pour un nouveau départ, peut-être par rapport à un foyer, une maison, un appartement, des enfants, comme je vous ai dit. Ça peut être ça. Vous prenez si ça vous parle, mais si ça sort, c'est que ça parle forcément à au moins une personne. Alors. Et il y aurait tellement d'interprétations euh, possibles que malheureusement on ne peut pas tout énumérer non plus. Donc prenez ce qui résonne. Alors on va prendre le guildi de rêverie, le petit le normand. Et on va continuer à regarder les messages, précisions, infos, guidance, confirmation, énergie pour cette semaine, 19 au 25 février 2024. Bon, j'espère que vous avez bien fêté la, la Chandler. Les fans de Friends comprendront. Alors la clé 20, euh, 33 donc là bon bah ça rejoint un petit peu hein, négociation euh, confrontation blocage pour du renouveau par rapport à de l'argent par rapport à un engagement donc ça peut être par rapport à votre mari, votre autre, votre ex-mari. Euh, là il y a une, une bonne chose qui arrive. Une solution qui est trouvée, un accord qui est trouvé ou un verdict qui est rendu, hein, ça, peut, ça peut être ça aussi. Voilà, par rapport à, à une relation qui se termine ou qui est terminée, par rapport à de l'argent, deux personnes hein, qui ne regardent plus dans la même direction. Donc, évitez d'aller à la frontale, hein, ça ne vous aidera pas. Il y a vraiment des sous-sous en jeu hein, et c'est vraiment affaire de justice juridique. Donc faut, là, il faut, faut, faut garder la foi parce qu'il y a une bonne nouvelle. Il hein. y a une bonne nouvelle. Hein. Si vous êtes en procès, en procédure, alors ça peut être euh, perso, mais ça peut être pro aussi. Hein. Si c'est par rapport à un employeur, un ex-employeur, ou un associé, un ancien partenaire ou associé. Là, il y a une procédure qui se termine, il y a de l'argent en jeu, et pour moi, vous obtenez gain de cause. Hein. En tout cas.. Il y a un accord, une négo qui est trouvé entre vous financièrement pour, j'ai l'impression, euh, arranger les deux. Quoi, hein. Et il y a des papiers à signer. Donc, déplacement chez le notaire, chez l'avocat, le juriste. Euh, hein. D'ici la fin du mois prochain, pour euh, la majorité d'entre vous, c'est bouclé, on n'en parle plus. Hein. Le chapitre est clos. Ouais. Tout est en train d'être préparé, là, organisé. Euh, donc, ne vous en faites pas, gardez la foi parce que l'issue est très positive et très équitable. Alors, je voulais prendre l'oracle de la flamme d'Anka et après, on prendra les breloques. Oups. Alors, bah ben voilà, merci. Donc, blocage temporel, 36. Manque d'ancrage, statu quo, procrastination, retard. Vous prenez ce qui résonne pour un aboutissement, hein, 36, 9. Pour un accomplissement, un aboutissement, une fin. Soyez bien ancré hein, pour ne pas procrastiner, ne pas être dans les peurs, pour manifester en ce portail puissant énergétique hein, du 2-2 du au 22, 2. Ne l'oubliez pas. En plus là cette semaine samedi on a une nouvelle lune en Bélier. Donc euh, faudra en profiter pour vous aider à manifester, à reprendre votre pouvoir, à agir hein, parce que ce sera très positif pour cela. Traumatisme d'adulte 5 et mauvais choix. Alors du coup là on voit plus. <laughs> mauvais choix 30. Alors, déblocage, manque d'ancrage, procrastination euh, attente retard peut être dû aussi à des blessures émotionnelles des traumas non résolus non guéris hein, des non dits ou des on se voit de la face ou on n'est pas guéri ou on n'a pas compris et puis ben, on est euh, retenu dans le temps on n'avance pas on n'évolue pas parce que c'est pas guéri parce que comment on pourrait dire euh, vous êtes bloqué par rapport à des blessures émotionnelles et donc du coup vous faites les mauvais choix pour vous à l'instant T, ou vous êtes bloqué par rapport à des blessures et vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs entre guillemets. Donc là, peut-être travailler là-dessus seul ou accompagné. Hein, on ne peut pas tout résoudre tout seul parce qu'il y a des choses qui vous bloquent et qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer vers le meilleur pour vous. C'est quand même dommage. On n'est pas là pour se faire la misère. Donc, faites ce qui est bon pour vous, aimez-vous et, et osez avancer vers quelque chose de quand même plus positif. Allez, on prend les breloques. Donc, les breloques, famille, carrière, santé, amour. Allez, la semaine du 19 au 25 février 2024. Elle voilà, a failli aller loin celle-là. Allez, alors donc pour le domaine famille, on, a quand, on en a quand même deux là qui sont, enfin, trois même qui sont entre les deux. Alors, domaine famille, on a une notion bah, de racine, d'ancrage de liens familiaux qui sont solides, j'ai l'impression, ou bien il y en a peut-être qui sont en train de faire des, des, des études ou des recherches en généalogie hein, pour retrouver leurs racines, découvrir d'où ils viennent, ce n'est pas impossible. Euh, en tout cas, il y a un, pour moi, il y a du bien-être en famille, dans la famille, avec votre famille. On a l'encre hein, qui vient corroborer ça, hein. il y a des, des relations, des liens qui sont stables, solides. Et fort ouais pour la carrière alors je sais pas oui ben bah oui vous la voyez mais <laughs> c'est la clé donc il y a une solution un signe un message une synchronicité une protection pour avancer pour peut-être trouver du travail pour peut-être changer de travail pour vous apporter une réponse à une question, une problématique, je ne sais quoi encore. Mais voilà, n'en doutez pas, vous êtes protégé, guidé. Hein Ouvrez les yeux, les oreilles, les mains, etc. Et il y a une solution. Soit elle est en vous, donc faites le silence pour entendre les réponses, ou elle vient à vous par le biais de signes, de messages, de synchronicité. Donc prêtez-y attention le plus possible, sans psychoter, bien sûr. Alors, santé, on a euh, des communications, une évolution, une notion aussi peut-être d'entraide, de soutien. Alors peut-être des personnes euh, sont en pleine guérison du cœur, concrètement ou abstraitement, euh, peut-être en attente de résultats d'examen ou en... Communiquant avec des praticiens par rapport, euh, thérapeutes, peu importe qui, par rapport à des, à des mots du cœur, concrets ou émotionnels. Mais il y a une belle évolution, j'ai l'impression, une belle avancée, un oeuvre. Un oeuvre je vais y arriver. Un envol, même pour certaines personnes, avec la Montgolfière, hein, on a une idée de, de prendre son envol, d'être plus léger, euh, de, de, de voguer vers de nouveaux horizons, peut-être une libération émotionnelle, une guérison du cœur, ou ça peut être physique aussi. Hein. Et du coup, bah, vous voyagez peut-être, euh, parce que vous êtes mieux dans vos baskets et, et vous êtes en meilleure santé. En tout cas, j'ai l'impression que vous pouvez vraiment recevoir de bonnes nouvelles. Et qu'il y a des bonnes choses là qui, qui arrivent ou qui sont en cours. Hein. Et pour l'amour, bon ben on a, déjà on a le cœur. Hein, regardez, Hop, je le tourne. Le cœur, la tortue. On a un bout du cœur et un bout de, de l'abeille. Donc là pour moi, il y en a qui sont en train de fonder un foyer, une famille. Qui sont en train de stabiliser une relation. De renforcer des liens, des liens d'amour, des liens du cœur, des liens d'affection, de, de, etc. Euh, on est en train de construire, de créer quelque chose de durable, de stable, de pérenne. Et c'est énormément euh, plaisant et plein d'amour. Et si vous êtes célibataire, euh, ça peut peut-être vouloir dire que vous êtes en train de construire, enfin de construire de préparer le terrain, de créer ce qu'il faut, d'acter, de, de faire ce qu'il faut, de vous ouvrir pour pouvoir attirer une relation stable, sérieuse, solide et pouvoir construire quelque chose. En tout cas, peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, vous êtes dans le cœur, dans la voie du cœur, dans l'amour. Et vous le savez, l'amour est la clé. Donc, ça roule. Bon, J'espère que ça vous parle en tout cas, que ça vous apporte des réponses. Bien sûr, je vous remercie de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager. Ça peut aider d'autres personnes. Ça m'encourage aussi, ça fait très plaisir et ça fait vivre la chaîne. Euh, donc merci, merci, merci. Et également aux belles personnes que j'accompagne en privé. Vous savez où me trouver si vous avez besoin et envie. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de bonnes énergies et à très bientôt. Namasté!